participé à une activité dans la ville. J'ai enfin que mon église pour respirer le secondaire, pour partir à l'école. Donc, j'ai plaisir de nous faire. Donc, au moins, côté solidarité à tout le monde qui vit dans la ville à l'occasion de la fête patronale. Directeur général police, là, mesdames et messieurs, monsieur Léon Charles, eh bien, monsieur, passé un moment tragique, un moment très difficile dans la ville Saint-Marc. Côté qui gagne une messe qui t'a déroulé dans l'église catholique Saint-Marc, eh bien, Léon Charles est débarqué dans la ville Saint-Marc pour porter solidarité avec prêtre catholique Sao qui ont même gagné et donc, et entrailles et des pères catholiques même avec eux qui kidnappé et par base. 400 Marozo qui gagne en tête l'île Lamor sans jour. Mesdames et messieurs, nous connaissons ça fait quelques semaines depuis Pesayo, et bien Pesayo nan men, et nèg 400 Marozo, Lamor sans jour, et bien je dis à la, Léon Charles était obligé de débarquer dans la ville Saint-Marc dans l'occasion de ça pour le porter solidarité, pour le porter soutien avec Péo. Et bien, moun nan ville Saint-Marc, mesdames et messieurs, pété couru de Léon Charles, ou dit, pas besoin de présence Léon Charles, qui donc c'est Père catholique pour monsieur dégager à libérer, mais ou pas besoin monsieur, nan moment ça là, qui donc bagay yo vraiment, mangamen bagay yo décontrôlé pour monsieur Léon Charles, mesdames et messieurs, nous allons inviter ou comment ça te, et ou pral, et gen chance tout temps de réaction, DG PNH là, monsieur Léon Charles, nan ville Saint-Marc. Restez connecté sur toute vidéo jusqu'à la fin. Pour qu'attendre, ça pourra le dire. Pas oublier, si vous nouveau sur TV Lakay, ou beaucoup abonné avec nous, pressez, faites ça rapide, vite. Nous pas oublier tout pour nous remercier. Chaque grand fanatique, amis, compatriotes qui toujours été connecté sur TV Lakay, nous vous merci pour confiance et fidélité. Merci parce que vous toujours été connecté avec nous. Enjoy, nous vous croisez pour une prochaine vidéo. Thank you.
Organisation politique de l'opposition, matin nous présenter devant la presse parlée, écrite et télévisée, plus presse en ligne, à Ibogo pour nous. Nous-mêmes, dans ensemble organisation politique de l'opposition, matin nous venons parler avec la population qui vit Haïti comme à l'étranger. Jodi à nous-mêmes, dans ensemble organisation politique de l'opposition, nous saisissons une série de partis politiques de graines gauche. Il y a une série de partis politiques grain sec qui toujours proposent une opposition modérée, une opposition sage, et pourtant c'est complot à faire sur deux populations. Je dis à vous, pile qui c'est conseiller Jovenel Moïse dans le palais national. Dire que le conseiller Jovenel Moïse dans le palais national, qui ça a dit? Il dit Jovenel, palais de constitution. Parler de référendum pour faire peuple à rentrer dans dormi. Et nous-mêmes, ensemble, organisation politique de l'opposition, nous disons nous pas de référendum, nous pas de changement de constitution, c'est Jovenel Moïse qui vous quitte le palais national. Je dis à nous saisissons une série de leaders politiques qui ont dit même bagay ensemble avec nous. Je dis à nous dire, peuple haïtien, l'ouvrigel, nous prenons un complot. Mafia politique, mafia parti politique qui dégrade le monde. Je dis à nous-mêmes, dans ensemble, organisation politique de l'opposition, nous dit ça finit. Messieurs, nous prenons pas complot. Je dis à M. Boniface Alexandre, qui était un président, après, il a kidnappé le président Jean-Bertrand Aristide en 2004. Je dis à ce même Boniface ça, qui chita le palais national sous complicité Jovenel Moïse qui a parlé de constitution. Nous dit M. Boniface, dans même poubelle n'a pas mettre Jovenel Moïse là, nous allons mettre là dans tout notre temps pas trop loin. Parce que je ne dis pas, ou pas qu'à ce mafia politique, définitivement, qui voulait plonger Haïti.